vas-tu bien? Bienvenue sur ma chaîne, Français sans bazar. Et regardez ce qu'il y a là, 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 là. Oui, bah oui, bah oui, c'est un colis. De DP. Bah oui, bah oui, bah oui. Aussitôt reçu, aussitôt déballé. Nous sommes aujourd'hui le 19 janvier et je vous montre tout de suite. Donc je l'ai reçu aujourd'hui le 19 janvier et je viens de rentrer du travail et je le déballe avec vous. Alors, il s'agit d'un diamond painting que j'ai commandé chez Abedri's Diamond Painting Store, je pense. Je vais casser tout le beau carton. On s'en va. Voilà. Donc voilà. Donc voilà pour le carton. C'est plutôt sympa. Donc là, All Diamond Painting. Ah bah c'est marrant parce qu'on voit All. Pardon. All Diamond Painting. Normalement c'est AB. Et là, ils vous disent ce qu'il y a dans le carton. Paint with diamonds art to provide customers with the finest diamond painting kits. Ok, donc ils vous disent qu'il y a le canevas, le toolkit. Là, vous n'êtes pas dessus, excusez-moi. Les diamants, c'est déjà une bonne, c'est une bonne nouvelle. Ok, très bien. Bon, bah, écoutez, on y va, on y va, on y va. Que je vous montre tout de suite cette commande. D'ailleurs, je vais aller tout de suite allumer ma tablette pour vous dire quand est-ce que j'ai fait la commande et tout ça et tout ça. Les petites infos habituelles. Donc, c'est qu'elle se cache, ma tablette. Elle est là. Hop, petit bidou. Voilà, mais en attendant, je vais vous montrer. Oh, attendez. Je me demande 100 000 fois de me connecter à AliExpress, c'est pénible. Donc, déjà, je vais vous montrer. Donc, c'est bien. Oh là là. C'est pénible, bien ça. Abedri's Diamond Painting Store, une commande que j'ai faite le 28 décembre et que j'ai reçue aujourd'hui le 19 janvier. Donc, bon, plutôt rapide. Donc, ça se présente dans ce carton. Hop, comme ça. Ah, c'est de la colle coulée. Je savais pas. Ah, c'est cool. Donc, ici, on a les diamants. Voilà. Les diamants, le toolkit. Alors, je vais vous montrer le toolkit. Ah, je suis contente qu'il me pince comme on les aime. C'est bien. Donc, un stylet pailleté avec un mulch-mulch. Comme dit Ayot. Voilà, des multiplacers. Alors, parce qu'il y en a plusieurs. Hop. Voilà, mais c'est des gros multiplacers. Ceux-là, je ne les utiliserai pas. Donc, bah, ils vont directement aller à la poubelle. Un grand pain de colle. Une pince qui est pas très pointue. Non, elle n'est pas très pointue. Bon, à tester. Et une barquette, la barquette home fun quoi. Et quelques sachets, non, vraiment choupeux, mais en même temps, ce sont des sachets qui sont déjà Ah, ce sont déjà, pardon, des diamants qui sont déjà dans les sachets zippés. Donc quelque part, on s'en fiche un peu. Voilà, donc c'est une toile en 60 par 80, ouais, d'accord, on ne va pas désigner. Sur la taille, donc... Bah, je vais vous la montrer. Donc là, il y a un toucher tout doux, tout nounou. Donc, colle coulée. Et je vais vous la mettre à l'endroit quand même. Et on est parti. Je vous montre la beauté que je me suis commandée. Voilà. Elle est trop belle. Attendez, je vous montre parce que là, vous la voyez pas bien. Voilà. Ah, les canons! Ma petite poupette, elle est trop belle! Elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle! Ah là là, qu'est-ce que je suis contente! Ah, franchement, ma petite poupette, là, trop belle! Il y a 50 couleurs, dont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 allez! Canon! Canon! Alors, je vous montre.
La qualité de l'impression. Alors, pour ce qui est de la lumière, je vous prie de m'excuser, mais Marie en télétravail, femme cloîtrée dans sa chambre. Donc, pour faire l'unboxing. Voilà pour la qualité de l'impression. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oh, c'est nickel. Alors, en plus de ça, les couleurs, ben, n'y a pas de 310. Non, il n'y a pas de 310. Il y a du 939, donc la cage à oiseaux qui est là. Oh, ma zette, elle est poétique. Elle est poétique. Alors, je reprends. Je sais pas, j'ai eu un bug avec mon téléphone. Donc, j'étais en train de vous dire qu'elle était sublime. Et j'ai continué à parler comme... voilà. j'ai continué à parler, à vous montrer les trucs et tout ça. Et en fait, ça s'était arrêté de filmer. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, mon téléphone a bugué. Donc, on recommence. Je vous montre donc les 6 AB. Donc, on a le 550 violet, on a le 820, voilà, on a le 701, le 907. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait 3 dégradés de vert en AB, donc ça, je trouve ça vraiment très sympa. Le 904, alors je suis désolée hein, pour la luminosité, et le Parme, le 210. Et alors avant que mon téléphone me coupe la chic, je disais qu'en fait ils avaient un peu parsemé, donc là ici vous avez les violets un petit peu ici comme ça, les verts sont là, ouais, ils sont ici dans les... Donc ça, en fait je trouve que c'est bien, c'est judicieux là où ils les ont placés en fait. Dans la petite dame, dans ma poupette, est-ce qu'il y en a? Non, il n'y en a pas dans ma poupette. Donc, en fait, c'est vraiment ici. Voilà, c'est parsemé comme ça ici. C'est vraiment, vraiment super joli. Je vais vous montrer, si vous voulez, un petit peu les AB. Ils sont vraiment très beaux. Hein. Franchement, oh, j'ai un violet qui s'est fait la main ici. Voilà. Donc voilà. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Donc ils sont vraiment beaux. Hein. Hop. Puis les couleurs, elles sont douces. Et en fait, la toile, elle est. Il y a beaucoup. Enfin, c'est une toile confetti. Hein. C'est pas du tout une toile bloc, c'est une toile confetti. Franchement, là par exemple, dans le fond, c'est des Y et des points d'interrogation qui sont mélangés. Donc, elle est juste, juste, juste trop belle quoi. Juste, juste trop belle. Alors en fait, quelque part, je ne sais même plus où j'en étais quand il m'a coupé la chic mon téléphone. Donc, si vous l'avez déjà vu, tant pis, sinon je vous la montre. Voilà. Celle-ci avec la feuille de route et les 50 couleurs dont les 6 AB, et les symboles sont plutôt faciles en fait, donc ça, ça va. Voilà, voilà, donc les 6 AB qui sont là, tac tac tac, voilà. Et ensuite bon, vous avez toute une un panel de violet, de rose. Vraiment très beau. Ensuite, vous avez du bleu. Là, vous avez encore un violet, un peu sur le gris. Voilà ce qui est un petit peu pour les couleurs. Là, vous avez du vert. Donc, on a quand même des gros pour sachets. Il y a encore des roses, un petit peu les vieux roses là, qui sont sublimes. Voilà. Puis alors, le 939, comme je disais, il n'y en a pas beaucoup. Hein, du 939, ça va. Hein. On est plutôt, plutôt épargné. Pas mal de gris, certainement pour le fond. Je vais tomber les diamants. Hop. Donc voilà pour ce qui est des couleurs. Je vais les checker. Il y en a celui-là, très beau.
En fait, j'avais tous des beaux dégradés quand même. Des couleurs toutes douces. Donc, je vais checker les diamants et je reviens vers vous pour vous dire si tout est en ordre. Je reviens. Voilà les gens, bah écoutez, j'ai checké tous les diamants, ils sont tous là. Bon, après, au niveau de savoir si il manque des diamants, en tout cas, toutes les couleurs sont là, il n'y a pas de souci. Voilà, bah écoutez, c'est ce qu'il en est de mon unboxing de cette toile de chez Abedrills Diamonds Painting Store. Je rappelle, c'est une 60 par 80 en carré avec des diamants AB. Que j'ai payé 30,94 €. Voilà, et qui a été commandé le 28 décembre et je l'ai reçu le 19 janvier. Et je suis contente parce que c'est de la colle coulée. Donc, je vais pouvoir réenrouler ma toile, la remettre dans le carton et puis pouvoir la stocker. Ça sera plus facile pour moi. Voilà les gens, bah, écoutez, j'espère que cet unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette toile. Je vous mets bien entendu le lien en barre de description. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très vite, très très bientôt pour une autre vidéo rigolote. Bye les gens!